Biocalcis, un procédé de consolidation et de minéralisation des pierres par voie bactérienne. Procédé développé par Soletanche Bachy, leader mondial des fondations et de la consolidation des sols. La gamme pierre est représentée par ECP. Ici, la structure d'une pierre calcaire grossit au microscope. Par la chimie classique, on note un changement de la structure, tandis qu'à l'aide de biocalcis, seule une densification apparaît qui augmente la cohésion et dureté tout en préservant les propriétés de la pierre. Comment ça marche? On pulvérise les bactéries qui pénètrent dans la porosité, on y apporte un nutriment, une solution durée et de sel de calcium pour leur permettre de se développer. Les bactéries génèrent ainsi du carbonate de calcium, principal constituant des pierres calcaires, en créant des ponts entre les grains et augmenter ainsi la résistance, tout en préservant la porosité. Tandis que la chimie type silicate classique permet une consolidation sur 1 à 2 cm et que la biominéralisation n'est efficace qu'à l'épiderme, biocalcis permet, lui, une consolidation sur plusieurs centimètres. La mesure de la résistance au percement permet de garantir une consolidation sur la totalité de la frange concernée. Le procédé est totalement modulaire. En fonction de la nature de la pierre, de son état, de la profondeur de consolidation souhaitée, nous fournissons la quantité nécessaire en bactéries et nutriments pour la réalisation de l'opération. Le procédé est totalement inerte. Une fois disparition du nutriment, les bactéries meurent naturellement. Le nutriment lui-même est totalement inoffensif. Le coût de l'opération est sensiblement le même que les procédés classiques de consolidation. Concrètement sur chantier, je dissous mes bactéries que je viens pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur manuel de chantier. Je pulvérise de la même manière le nutriment. Une deuxième application de nutriments peut s'avérer nécessaire suivant la profondeur et la nature de la pierre à consolider. Au bout de 3 jours, le processus est terminé et je viens vérifier l'efficacité de mon traitement par mesure de la résistance au percement à l'aide de l'appareil visible ici. Retrouvez toutes ces informations sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux et notre site internet www.ecp-fr.com.